Hello, salut tout le monde, c'est Flo, je vous retrouve là dans Division 1 et j'avais une super question à laquelle répondre. En gros, est-ce que Division 1 est mort? Eh ben, il y a un moyen simple hein, de répondre à cette question. Alors, je me suis rendu, j'ai créé un nouveau perso, hein. Je me suis rendu à Brooklyn, donc vous vous souvenez, hein, c'est le tout premier, toute première zone du jeu. Alors, pourquoi Brooklyn? Eh ben, je vais simplement aller dans l'abri. Et voilà. Je pense que là, je vais rester quelques minutes dans l'abri pour répondre à la question. Est-ce que Division 1 est mort? Alors je tourne cette vidéo, hein, on est le 3 janvier 2023. Donc voilà, si je fais le tour, hein, des joueurs, qu'est-ce qu'on voit? Donc le niveau, hein, pour ceux qui se souviennent, donc ça c'est le niveau du joueur. Et ici, là, c'est ça le plus intéressant. Ce sont les infos, là, qu'on voit ici. C'est son score, donc le score de joueur, qui se partage entre tous les persos. Et donc, tous les joueurs qui ont un score ultra faible, donc moins de 10, eh ben, c'est tout simplement des nouveaux joueurs dans Division 1. C'est pas des anciens joueurs qui ont créé un nouveau perso, mais c'est vraiment des nouveaux joueurs. Et ben, regardez. 15, un nouveau joueur. Lui, c'est un ancien joueur. Donc on voit 2155, donc il a créé un deuxième perso. Toi, bouge pas. Nouveau joueur. Donc lui, je l'ai vu. Lui, nouveau joueur. Nouveau joueur. Nouveau joueur. J'en vois un qui se cache aussi ici. Nouveau joueur. Et c'est un truc de fou. On est en janvier 2023. Hein. Il suffit simplement hein, comme dit, hein, de lancer un nouveau perso et de regarder ce qui se passe à Brooklyn. Donc dans le seul abri, hein, c'est la seule planque de Brooklyn qui est le début du jeu. Bah, il suffit de voir combien de joueurs sont en train de jouer simultanément. C'est un truc de malade. Alors je vais rester là, je vais juste en profiter. Et hop. Je vais juste laisser quelques minutes, juste pour voir un peu la population, enfin les joueurs qui apparaissent, qui se téléportent, enfin bref. Voir un peu comment ça vit. Nouveau joueur, Black Dragon. Lui, un ancien. Lui, un ancien, hein, 260. Il a dû créer son deuxième perso. J'en ai toujours un qui se cache. Donc ici, c'est le point de téléporter, c'est le point de. C'est là où on apparaît, hein, quand on se téléporte. Bah lui, je l'ai vu tout à l'heure, ouais, il n'a pas bougé. Hop, encore un. Alors on voit, hein, pour se faire un ordre d'idée, hein, sur la minimap en haut à gauche, hein, tous les points jaunes, ce sont tous les autres joueurs qu'il y a dans la planque. Hop, encore un. Donc lui, c'est un ancien. Voilà, bon, bah voilà. Je vais pas durer 20 ans là-dedans, mais. Mais donc non, je réponds à la question. Division 1 n'est pas mort du tout, puisqu'on a un flot constant, hein, c'est incroyable quand même, hein, un flot constant de nouveaux joueurs, hein. Je sais pas d'où ils viennent ceux-là, mais on est en 2023, alors que Division 1 est sorti en 2016 quand même. Sachant qu'il y a eu deux Division 2 en 2019, donc il y a quand même plein plein de monde qui joue à Division 1. Alors je sais pas s'ils le découvrent ou s'ils ont jamais osé y jouer plus tôt que ça. Mais bon, en tout cas, c'est hyper intéressant de voir ça. Et en fait, ça fait chaud au cœur, hein, parce qu'au final, on se dit que le jeu, il est pas prêt de mourir, hein, finalement. Il y a toujours, toujours des nouveaux joueurs, et j'espère franchement que ça va continuer comme ça, parce que il n'y a pas à dire, mais Division 1, c'est vraiment un super jeu. Bon, bah donc, parmi vous, hein, s'il y en a qui ont jamais joué à Division 1, je vous le conseille fortement, hein. Parce que là, c'est vraiment un jeu à faire absolument dans sa vie, je pense. Et voilà, bah comme dit, si vous attaquez, bah vous serez pas seul. Allez, bah sur ce, je vous
dis à bientôt. Ciao!